Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour cette nouvelle vidéo sur Astroneer. Donc nous sommes cette fois-ci à la recherche, comme je vous l'avais dit, d'objets de recherche simplement. Hein. Chose et d'autres, tiens donc. Et donc nous trouvons des choses un petit peu différentes de ce que j'avais pensé, de ce que j'avais imaginé. Et aussi donc des objets intéressants pour nous. Hop. Ok, donc ça, par contre, ça c'en est un. Si tu ne veux pas y aller, je suis véritablement dans la merde. Par contre, normalement, t'es censé y aller, hein. C'est 4, il y a 4. T'es censé y aller, et il y en a un deuxième. Bon. Et bah, vous savez ce qu'on va faire. On va placer une balise ici, on va la mettre en noir, on va dire. Et on va... Question, est-ce que je peux... Je fais ça, imaginons. Et je peux l'emmener comme ça. Bah écoutez, on va y aller comme ça. En faisant très attention à ne pas perdre notre solaire. Et on retourne direction la maison, en laissant bien, comme je l'ai fait, la... Oula. La possibilité de retourner à l'endroit où nous avons besoin d'aller. Surtout que ce sont des nouveaux objets. Enfin des nouveaux. Des choses qu'on n'a pas encore découvertes nous dans cette partie. Du coup autant en profiter. Donc j'ai légèrement amélioré la base. Vous voyez j'ai rajouté quelques petits trucs un peu plus grands là-bas. Pour vraiment augmenter la taille des trucs quand on fond. Parce que sinon on n'a pas la place. J'ai trouvé de la dynamite. Cool. Cool. Pas du tout intéressant pour le moment mais cool. J'imagine qu'elle est constructive. Enfin, qu'elle est faisable, j'allais dire constructible, oui, c'est ça. Hein. Constructible, depuis la poche. Alors, je sais plus ou moins ce que ça peut faire. Par contre, j'aimerais bien vraiment que tu passes par devant, quoi, quand je te... Voilà, merci. Quand je te pilote. Baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Ok, donc là, je fais pas le con. Et là, je suis en droit de m'inquiéter, parce que... Ah non, il est là. Ouf. J'avais peur que si... Parce que si cet objet-là disparaît... Ça veut dire que potentiellement les autres peuvent disparaître aussi. Alors vous voyez qu'il est encore différent de celui qu'on a pris en premier. Oh putain, la nuit tombe déjà. Ce serait pas drôle si la nuit tombait déjà. Et elle tombe déjà. Ok, donc c'est pas drôle puisqu'il va falloir qu'on vienne chercher notre... Notre truc à bord. D'abord, avant que la nuit ne tombe. Et donc, ça peut être plus compliqué que prévu. Enfin, plus ennuyant que prévu surtout. Vas-y, dis-moi. Oh putain, c'est long. Aluminium. D'accord. Il s'est pas ouvert correctement, si. Normalement, il aurait dû s'ouvrir. Ok, il y avait que de l'aluminium dedans. Génial, pas de chance. Vraiment pas de chance. On va aller rechercher notre bordel. Avant que le soleil ne... Ah ! Disparaisse. C'est chiant. C'est chiant. Tiens, je crois qu'il en reste un à gauche en plus. Alors, vous allez voir, on reprend ça. Crac. Non, ça n'est pas. Non, ça n'est pas. Ok. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y avait? 3 objets. Bon, c'est déjà ça. On récupère la balise, qui nous sert plus strictement à rien pour cet endroit. Et je pense qu'on va repartir. Tant pis, on prend le risque. Il y a une grotte juste à côté là, t'es en train de me dire? Et bah voilà, notre point de destination. Ok, donc, alors, premier réflexe. On pose la balise. Pourquoi? Puisque si on sort à un autre endroit, imaginons un peu plus loin, on pourra savoir plus ou moins... Où est-ce que nous étions? Avec les notes rouges, c'est marrant, mais pourquoi pas. Ensuite, nous créons... Donc voilà, dynamite qui est ici avec de l'aluminium, intéressant. On va créer des rallonges. Rallonges qui peuvent partir du véhicule. En tout cas, c'était le cas avant. On va en créer 2, je dirais. Hop. Voilà. Parfait.
c'est que ça. C'est une grotte secondaire. Ah merde. C'est une grotte secondaire ou. Apparemment. Why not? C'est pas. Merde, il m'a vu. Il m'a vu. Tu veux bien t'arrêter de progresser, nuage? Ok, apparemment je les ai eu les deux. Cool. Mais même si je peux toujours pas les déplacer comme je le souhaiterais. Par contre j'ai perdu le fil, littéralement. J'ai perdu le fil. Crac. Je rebouche. Je prends la peine de reboucher. Puisque selon moi ça peut être important, surtout qu'il y a de l'énergie juste à côté. Merde, je croyais que j'étais en train d'aplanir, mais apparemment non. Voilà, parfait, exactement ce que je... Merde. Oh. Merci. Hop. Wow. Attaque surprise. Ça, ça va être chiant. Alors, je sais pas, je connais pas trop la portée de l'attaque. Je pense que là... C'est bon. Alors je voulais pas prendre la malachite à la base, hein. Je voulais juste éviter ça. Et on est bon. Bon, cela dit... C'est pas si mal. Ok. Ah, voyez. Ça j'aime pas, parce que si jamais un jour c'est corrigé ou n'importe quoi. Oh, c'est joli ça. C'est joli, je vais le remonter aussi, tiens. Vendu. Et il est que sur deux, hein, vous avez remarqué. Donc il devrait normalement pouvoir monter sur le truc. Ah. Oh, je vais me faire chier, vivement que j'ai le camion. Vivement que j'ai le camion. Ah. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Alors en plus, je vois aussi que là, il y a un trou monumental. Voilà. Ah non, pas une tempête. Oh putain. Ah, ah puis ça m'emmerde de pas pouvoir le prendre. Si vous saviez. On est trop loin de la base. On est trop loin. On est trop loin pour faire ce genre de recherche sans le camion. Allez, dans le bon sens, s'il te plaît. Hop. On va plutôt se rapprocher, c'est pas grave. Et on va essayer de trouver vraiment des cavernes au plus proche de nous. Au plus proche, hein, j'ai bien dit au plus proche. Voilà, par exemple celle-ci. Ah, vous voyez, c'est coupé entre temps. C'est rapide, Marcus, là. Hop. Alors, est-ce que c'est peut-être pas suffisamment incliné? C'est pas si mal. Hein. Oh. Ah, j'ai plus de. Putain, j'ai plus de composite. Merde. Heureusement, j'ai du bol.
résine aussi là-dedans. Ouais, il y a un mélange de plusieurs choses là. Alors, normalement, je peux malgré tout profiter du slot. Voilà, parfait. Crac. On va le poser là, c'est pas grave. Petit coquin. Faut vraiment qu'on trouve de la recherche par contre là. Là, ça va devenir une priorité. Rien là-dessous. What the... Ah, je suis déjà venu par là apparemment. C'est assez étrange. Surtout qu'en plus là, il y a bel et bien. Bon, apparemment, je suis déjà venu d'une autre caverne. Ça, je sais que j'en ai pas en double. Par contre, du coup, oui. Du coup. Je coupe comme ça pour être sûr de pouvoir revenir dans la bonne direction. C'est pas simple. C'est pas simple. Ok, bon, on a un petit cube sympathique là. On va le ramener à la base. Il doit faire nuit malheureusement à l'heure actuelle. Ce qui va être casse-couille. Voilà, il fait nuit. Peut-être que je devrais aussi ramener avec des rallonges, vous savez, jusqu'à la base. Ah. En plus le soleil vient d'arriver. Et je suis trop juste de 1, c'est ça? Juste de 1. Si ça c'est pas la haine. Hop là, ce qui fait que là, je peux recharger directement même à partir des panneaux solaires de la base. Qu'est-ce que ce sera? Éolienne petite. Génial! Pas du tout ce que je cherche, mais génial! Mais alors pas du tout ce que je cherche. On va pas dire que je suis déçu, mais... Je suis pas méga heureux non plus, quoi. Allez, c'est parti. On y va. Ça continue en profondeur, ça peut être intéressant. Un autre cube jaune. Est-ce qu'il va me porter bonheur? Est-ce que je vais avoir un petit peu de chance? Ça monte aussi par là, dis donc. Est-ce que je vais pouvoir enfin en faire quelque chose? Par contre, j'ai l'impression qu'il fait nuit, quoi. Je peux pas déjà faire nuit. Eh, ça vient en fait. Merde. Merde, merde, merde. Ça vient, je vais pas pouvoir creuser aussi librement que je le voulais. Merde. Bon, heureusement, ça a rechargé. Heureusement. Je sais pas si une éolienne serait utile ici. Qu'est-ce que... Des filtres. Putain, génial. Absolument génial. Je vois de l'air. Donc je me dis... Que hypothétiquement ça devrait être utile. Ah, pactage plein. J'ai un d'aluminium, j'ai de l'hydrazine sur ma gueule, mais non, mais t'as cru toi. Je prends un d'aluminium, on va tenter. J'ai encore de l'hydrazine d'ailleurs ici. Crac, crac. Je suis curieux. Je suis curieux de voir si ça va être efficace ou pas. Je vois du vent, vous voyez, on le voit. Il y a des particules qui font que.
Ah bah, apparemment ça répond à ma question, hein. Génial, on a de l'air. On a de quoi recharger et continuer à creuser la nuit, donc bah écoute, tant mieux. On a du bol, c'est, je pense pas que ce soit toutes les planètes qui en ont, donc ah, on m'appelle des Seychelles, what? What the fuck? Et ça, c'est déjà fini. Plus 248, 265, 1023. Je pense qu'il faut pas que vous appeliez, hein. C'est un truc à avoir des numéros à la con qui vous appellent. Hop. Bonjour. Vous êtes particulièrement violée, madame, si je peux vous décoincer. Hop. Ah, par contre, vous faites bien dans le milieu de mon chemin, quoi. C'est plus chiant que vous. Ok, bon, on est bon. On teste, hein. On a la chance d'être juste au-dessus de la... Juste au-dessus de la base, hein, donc autant en profiter. Juste en dessous de la base, pardon. Mais je suis curieux de voir ce qui pourrait arriver ensuite comme module, comme nouveau système de recherche. Personnellement, je serais pas contre, vous savez, un système de déblocage... Par idée, vous savez, par idéologie. Vous trouvez par exemple un truc, vous le trouvez trois fois, hop, vous pouvez trouver un truc. Par exemple, vous pouvez trois idées électroniques, et ça permet de trouver un nouveau module, vous voyez ce que je veux dire, hein. Trouver une ressource de recherche, plus... Putain, ça a l'air de bien fonctionner en plus l'éolienne. Sans vouloir dire que ça claque, mais... Allez. Un bon truc intéressant. Genre une éolienne géante, ça pourrait être intéressant. Même ça, ça pourrait être intéressant. Réservoir d'oxygène petit. Est-ce que c'est celui que je peux porter? Et bah dans ce cas, c'est toujours ça de prix. Alors je sais pas s'il est fonctionnel jusque dans les poches. S'il l'est, ça peut être intéressant. Parce que parfois, donc vous voyez, quand vous quittez... Hop. Apparemment, ça devrait être ça qui réduirait. Et vous voyez, il réduit un petit peu. Je crois. Il y a un petit côté noir ici, non? Ou c'est moi qui l'invente? Bah, normalement, l'oxygène est censé descendre. Hein, Ou pas, hein, après tout. Et ça me dérange pas, hein, personnellement. Si c'est complètement buggé de la mort qui tue, ça me dérange pas du tout. Ok, il apparaît là, regardez. Non, c'est les filtres qui prennent, non? Aucune idée. Peut-être les filtres. Bon. En tout cas, on continue. On s'arrête pas. On est fou! Oh, cool. Hop les... Donc là, il y a des ennemis. Là, il y en a pas. Oh! Un truc violet. Bah, finalement, il y avait quelque chose dessous. Je prends. Ah, là. Tellement de trucs qui se sont mis à se recharger. Wouah! Sorti de la fenêtre. Bon. Bah, on fait de la recherche pour le coup. On en a pas fait du tout dans l'épisode précédent. Là, on en fait, hein. Même si c'est pas extrêmement intéressant, en tout cas on trouve des trucs assez intéressants, je trouve jusque là, en termes de nouvelles informations, principalement autour de l'éolienne. Hein. Franchement l'éolienne m'a surpris agréablement, je pensais pas que ce serait si efficace à vrai dire. Mais j'imagine que c'est vraiment très, très situationnel vis-à-vis de la planète en fait. Hein. Parce que d'après ce que j'ai compris sur le wiki à l'époque, ça dépend véritablement du style de planète sur lequel vous êtes. Hein. Voilà. Allez! Bouge-toi le cul! Mais j'ai une crampe dans le bras gauche, ça fait longtemps que j'ai pas eu de crampe. C'est le petit doigt, en fait, je suis toujours en train de sprinter dans le jeu, donc... Ça vient sans doute du petit doigt. Ah, elle fonctionne plus! Parce que j'imagine que la... Parce que le solaire a dû prendre le relais. Le solaire a dû prendre le relais. J'imagine. J'imagine. Parce qu'il y a toujours de l'air. Oui, il y a toujours de l'air. Étrange. Continuons.
Alors, qu'est-ce qu'on avait par là déjà, on a dit? Bah, du coup... Moi, ça me donne envie de faire des tests, hein. Ok. Je prends, hein. C'est donné comme ça, je peux pas dire non, hein, là, pour le coup, hein. Je suis désolé. C'est littéralement posé sur un arbre, hein, c'est... Pourquoi je dirais non? Tiens, un bruit que ça fait longtemps que j'avais pas entendu. C'est plus personnel. Dites-moi au niveau du son, bien sûr, dans cet épisode aussi, si c'est bon ou pas, ou s'il faut que je l'augmente. Si vous voulez que je l'augmente, je l'augmenterai. Y a pas de souci. Bon, à chaque fois, je me fais avoir. Hein. Et à chaque fois, je me ferai avoir. Ok. Bon. On a du bol, hein, c'est vraiment pas loin. Honnêtement. Verdict, qu'est-ce que ce sera cette fois-ci? Un truc intéressant, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Un camion, hein. Un générateur petit, bien sûr. C'est pas vraiment ce que j'avais prévu quand j'ai dit quelque chose d'intéressant, mais pourquoi pas. Normalement, j'ai plus de filtre, hein. Qu'on se mette bien d'accord sur le principe, je n'ai plus de filtre, normalement. Bon, là-bas, il y a des ennemis, ce qui m'emmerde assez. Là-dedans, il n'y a rien. Bah, écoutez, on va aller un peu plus profond. Rallonge supplémentaire. Ah. Merde, Cody. Hop. Bah j'irai jusque là que ça va quand même assez profond. Je sais pas ce que vous en pensez. On va essayer d'aller creuser encore un peu, hein. Tant pis, on a un filtre et un réservoir complet normalement encore, ça devrait être faisable. Putain, il y a un truc. Tout ça pour ça? Oula, ça doit être intéressant là. Allez, j'estime que c'est extrêmement intéressant, que ça valait le coup. C'est dans ma tête, disons. Ah, donc c'est bien le petit réservoir, vous voyez, qui prend. Donc c'est cool. Maintenant, je suis pas obligé de le porter en termes de système de pose sur le sac, vous voyez, comme par exemple l'éolienne ou la lampe. Je croyais que j'étais obligé, mais non. Bon, bah tant mieux. En soi, tant mieux. Par contre, maintenant, on sait que c'est un petit, qu'il y en a des grands et des moyens, sans doute, hein. J'imagine, comme la plupart des objets qui sont présents en grande et moyenne taille. Donc c'est intéressant, ça permettra d'avoir peut-être une plus grande autonomie en termes d'oxygène, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, je dois bien l'admettre. Ok, donc là ça sera à droite. Et là faudra remonter. C'est que ça commence à être compliqué de se repérer là-dedans en plus, eh. Avec les différents chemins. Attends, ça descend encore par là aussi. Arbla. En tout cas, compte tenu de la forme de la pièce et de son design, je veux dire, par exemple, par rapport aux autres, elle est carrée, quoi. On a vu beaucoup de ronds. Je sais pas si ça implique maintenant quelque chose, mais le design qui est très humain, hein, les couleurs aussi, je me demande si ça va pas être un truc véritablement intéressant cette fois-ci. En tout cas, je l'espère. Allez, c'est parti. Serrons les fesses. Un truc bien, s'il te plaît.
merci. Module large. Oh! Oh! C'est pour élargir. Module étroit, module large. Putain, ouais, d'accord. Ils sont buggés. Alors, le module est buggé, je sais pas pour quelle raison. Il est ni expliqué ni rien, donc pas utile du tout pour le moment. Cuivre, je les avais mis par là. Malachite, ça pourrait être intéressant d'en faire un petit peu pour pouvoir la renvoyer ensuite en tant que composé. De cuivre, ok, cool. Bon. Bah écoutez, je vais aller tourner un troisième épisode dans cette session. Et puis je vous retrouve donc la prochaine fois. Donc la prochaine fois, je devrais avoir commencé la série sur Shadow of War. Hein, donc ça devrait être intéressant. Moi, je vous retrouve en tout cas la prochaine fois sur Astronir, si vous n'êtes pas intéressé par les nouvelles séries. Il y aura aussi une vidéo information qui sera sortie, donc normalement, que je vous invite à chercher un petit peu. Vous regarderez dans les vidéos récentes, une vidéo information indiquant donc les nouvelles séries sortant le mois d'octobre. Trois nouvelles séries sur des très 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 gros jeux. Et du coup, moi je vous laisse là et je vous dis à plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!